Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve devant le Discoveryland Theater pour le début d'une nouvelle journée, d'un nouveau vlog où je vais vous emmener avec moi, vous partager mes impressions sur le nouvel update de Mickey et son orchestre Filar Magique avec l'ajout du segment sur le film Pixar Coco, ainsi que potentiellement un food test au Fuente del Oro avec la nouvelle proposition Snack Food. Très alléchante et puis d'autres petites surprises. Et tout de suite, direction le Discoveryland Theater pour Mickey et son orchestre Filar Magique. C'est parti. Donc à l'origine, le Discoveryland Theater abritait le maintenant devenu légendaire film en 3D Captain EO avec le regretté Michael Jackson et puis également un autre film en 3D, 4D même. Chérie, j'ai rétréci les enfants, les gosses. Voilà, une espèce de d'attraction, de film interactif sur prenant origine sur le film des années 80. Et donc grâce à ces lunettes en 3D, on va pouvoir voir les effets du film. Alors malheureusement, comme c'est un film en 3D, je ne vous emmènerai pas avec moi, donc je vous invite vivement à venir le voir, notamment le nouveau segment sur le film Pixar Coco, qui, je ne doute pas, sera de toute beauté. Mais je vous donne rendez-vous tout de suite après pour que je vous donne mon avis. On se retrouve à la sortie donc du Discoveryland Theater après ce petit moment passé en compagnie de Mickey de son orchestre Filar Magique. Donc je me suis mis à l'abri parce que malheureusement le temps est pas très top. Hein. Il pleut, une petite pluie assassine. Voilà, pas très forte mais qui tombe régulièrement et qui mouille bien. Donc à l'abri, je vais tenter de vous donner mon avis sur cette nouvelle version du film 4D Mickey et son orchestre Filar Magique. Alors, déjà, l'histoire, c'est Mickey en chef d'orchestre qui se prépare à répéter pour un concert. Évidemment, il arbore son chapeau de magicien de Fantasia et il est obligé de s'absenter. Donald arrive, catastrophe, le chapeau, il perd le contrôle du chapeau magique, les pouvoirs magiques du chapeau on va dire explosent et le voilà entraîné pour essayer de retrouver le chapeau à travers une quête qui sera malheureusement à chaque fois contrarié par divers intervenants qui sont des personnages des classiques d'animation comme Lumière, Peter Pan, Iago, Simba, voilà, il y aura toujours quelque chose qui l'empêchera à un moment donné de remettre la main sur le chapeau et de pouvoir retourner à la salle de concert. C'est un film en 3D, en 4D même, hein, parce que évidemment la salle réagit en même temps que les images. On a des effets de lumière, des sensations dans le sol, voilà.
Et grande nouveauté depuis la réouverture, c'est l'ajout d'un segment sur le thème du film Coco Pixar. Voilà, donc c'est vrai que techniquement le film date d'il y a un certain nombre d'années, mais l'ajout du segment ne dénote pas. C'est vraiment un très grand plaisir d'avoir cette petite ajout. C'est vrai qu'à Disneyland Paris, hormis en dehors de la raison de la période d'Halloween, Coco est un peu absent, donc avoir ce petit segment qui lui rend hommage est quelque chose de très agréable. Et puis ce moment dans les rues du monde de l'au-delà pendant la période de Dias de los Muertos est vraiment très très entraînant. Voilà. Bon, c'est vrai que le film est musicalement très musical, mais ce petit moment de musique un peu latine donne vraiment la pêche. Donc si vous n'avez jamais vraiment eu l'occasion d'aller découvrir ce film 4D Mickey et son orchestre philharmonique, ou si vous l'avez déjà vu mais vous n'avez pas pu découvrir cette nouvelle version, je vous invite vraiment à venir et à le voir. Notez quand même que les horaires d'ouverture du Discoveryland Theater, je crois que c'est là actuellement aujourd'hui, c'était midi 17h. Donc voilà, c'est pas toute la journée, donc ayez bien ça en tête pour ne pas le louper. Et c'est quelque chose qui a très peu de temps d'attente, donc c'est voilà, c'est assez rapide entre chaque représentation. Après donc ce petit moment au Discoveryland Theater, je vous propose de me suivre en direction de Buzz Astro Laser Blast. Si je ne me trompe pas, à chaque fois j'ai des hésitations quant au nom de cette attraction au nom à rallonge, qui était à l'origine le lieu d'une précédente expérience, attraction, qui avait pour nom le Visionarium. Voilà, donc les plus anciens fans de Disneyland ont certainement eu l'occasion d'aller dans cette attraction. Ce fut mon cas, mais il y a très longtemps, et j'avoue que j'en ai un souvenir un peu confus. Voilà, donc c'est juste là, dans cette espèce de bâtiment futuriste au design intemporel. Donc à l'origine, l'attraction, le Visionarium, avait ouvert avec le parc en 1992 jusqu'à 2005. À cette époque-là, donc, c'était une première. Cette expérience était en fait un cinéma circulaire qui plongeait le guest dans un cercle entouré d'écrans qui était en totale synchronisation. Rentré par cette entrée-là, qui donc maintenant est la boutique Constellation, mais à l'époque c'était l'entrée pour le pré-show. C'était vraiment une attraction techniquement révolutionnaire. On pourrait rapprocher ça d'une certaine manière à l'attraction actuellement présente dans d'autres parcs Disney à travers le monde, qui est l'attraction Soaring. Sur le côté là-bas, où je vous montrerai, il y avait le Café des Visionnaires. Donc c'était un point de restauration. Maintenant, il a été transformé en bureau des passes annuelles. À l'intérieur, il y a encore une fresque magnifique en hommage à Jules Verne. Donc l'attraction Visionarium se proposait d'une découverte, d'un voyage à travers l'Europe en hommage aux visionnaires qui étaient Léonard de Vinci, également Thomas Edison, Jules Verne et plein d'autres. Le show était conduit par un animatronique assez révolutionnaire pour l'époque, donc qui avait pour nom le Timekeeper. Le design, ça se rapprochait d'un mix entre C-3PO de Star Wars et puis
le robot Ben du classique d'animation La Planète au Trésor. Mais malheureusement, avec l'évolution des technologies pas mal d'années de bons et loyaux services, l'attraction ferma en 2005 pour laisser sa place à Buzz l'éclair. Buzz Lightning Astro Blast, comme je disais tout à l'heure. Cette attraction a été aussi déclinée à Tokyo Disneyland et à Disneyland, mais elles ont également depuis longtemps laissé leur place à d'autres expériences Disney. Donc tout de suite, on va aller à l'intérieur de la boutique Constellation pour voir la proposition de merch. Et c'est tout pour la boutique Constellation, voilà, donc belle transformation de cet espace de pré-show. Devant nous, on a l'Orbitron qui est toujours en cours de rénovation, mais ils ont commencé à remonter la structure centrale sur laquelle tout va venir s'articuler. Là également devant nous, on a une superbe fresque qui reprend ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, un bel hommage au visionarium et au visionnaire. Et pour rester dans le thème, il y a 25 minutes, donc Buzz Lightyear Laser Blast et pas Astro Blast. C'est parti! Oh.
tous autres concentrerez sur les robots. Vous vous retrouverez sur la planète 7. Quant à moi, je resterai ici à Star Command pour commander la mission. Tout le monde à son poste. Dirigez-vous vers le pont d'envol pour l'instant. Donc rang 4, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, je suis éclaireur spatial. Et maintenant que la pluie s'est arrêtée, je pense que ça va être une journée où je vais devoir zigzaguer entre les averses. Direction Frontierland, parce que j'ai un peu faim et j'ai bien envie de tester la nouvelle offre snack food du Fuente del Oro qui a rouvert et qui maintenant n'est plus codifié comme un restaurant mais plutôt comme un bar. Donc suivez-moi. Donc comme vous voyez, le Fuente del Oro est devenu maintenant un bar avec cet affreux sticker. Franchement, là je vous tire pas mon chapeau Disneyland Paris. Donc, comme dans les autres restaurants, avant d'accéder à l'intérieur, il faut scanner un QR code pour, avec l'application Toussaint Covid. Oh yeah! Bon, alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre une margarita. Margarita. Évidemment. Les jalapenos farcis. Et puis... les frites, non. Paprika? Non. Bouche de poulet. Churros. Ah oui, 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 c'est ça. Ouais, voilà, churros, bien sûr. J'oubliais. Voilà, ça. C'est ça tout? Ouais. Ah, okay. Non, rajoute. Et rajoutez les frites au paprika, s'il vous plaît. Donc on se retrouve dans une des salles à l'intérieur du Fuente del Oro. Donc c'est vraiment magnifique, hein. Le travail de détail est vraiment extraordinaire. On est vraiment plongé en Amérique du Sud. Et voilà ce que j'ai pris. Donc la nouvelle offre food est légèrement plus chère parce que tout est séparé, il n'y a pas d'offre menu. Donc c'est vrai que ça monte vite. Après, voilà... comme c'est nouveau, autant se faire plaisir. Donc j'ai pris des frites au paprika,
des bouchées au fromage et au jalapeños. Donc c'est une espèce de piment, latin, espagnol. Voilà. Ensuite des churros et puis le frozen margarita. Donc d'un contenant un peu petit, mais je pense que d'après les retours que j'ai vus, c'est certainement assez alcoolisé. Voilà. Et puis une sauce salsa de chez Heinz. Donc les frites au paprika sont plutôt mignonnes, plutôt sympas. Goûtons. Ouais, c'est pas mal. On sent pas vraiment le paprika. Ah si. Si, en fait, ça vient après. Bon, c'est cool. La forme est sympa. Ça change des frites classiques. Et puis le paprika, ça twiste un peu le truc. Ensuite, place au boucher jalapeños. On a la sauce salsa. C'est très juicy. Il y a le fromage et le piment avec la salsa. Ouais, c'est pas mal. Alors je reviens sur les frites. En fait, c'est quand même assez épicé. Donc si vraiment vous n'aimez pas les épices, à éviter quoi. Et maintenant, goûtons la frozen margarita. Donc où il y a de l'alcool, hein, évidemment. Hein. Ah c'est pas mal. Alors bon, moi j'aime bien tout ce qui est citronné. Là, on sent bien l'alcool quand même. Donc, cool. J'espère que je vais pas être trop tipsy pour le reste de la journée. Et donc maintenant, place aux churros. Bon, les churros, hein, c'est toujours très bon. Hein. Ouais, non, c'est cool. Alors, bon, la nouvelle offre snack, hein, comme vous l'aurez compris, c'est pas forcément très, très, comment dire, régime. Mais après, hein, on peut bien se faire plaisir de temps en temps. Et le tout, j'en ai eu pour 22. Voilà. Donc, comme le Fuente de l'Oro est devenu un bar, la réduction passe annuelle ne fonctionne plus. Voilà, donc c'est un peu la petite surprise, il faut avoir ça à l'esprit. La margarita, c'était 6, 8, jalapeños 6, churros 4 et les frites paprika 4. Voilà. Donc, séparément, c'est pas cher, mais ensemble. Ça fait monter la note. Hein. Je voulais revenir sur le Fuente del Oro et vous raconter une petite histoire parce que à l'origine, donc comme vous pouvez apercevoir tous les balcons, il y a plein de balcons en hauteur quand on rentre dans la cour. Et à l'origine, à l'ouverture du parc de 92 à 93, il y avait un happening qui s'appelait sous le signe de Zorro ou Zorro à travers la nuit, enfin quelque chose comme ça. Je vous mettrai en incrustation le titre officiel de ce petit happening. Et donc durant un an, régulièrement sur les coursives, on avait droit à un happening mettant en vedette Zorro, le fameux
comment on peut dire ça, justicier dont Disney avait les droits et c'est la Margarita qui fait effet. Et Disney avait fait une série télé que les plus anciens d'entre vous ont certainement dû voir à la télé ou en tout cas connaissent. Donc c'était un beau moyen à Frontierland de rendre hommage à ce personnage. On peut encore retrouver la trace de Zorro sur une fresque au Lucky Nuggets. Voilà la fresque qui est derrière la scène, sur la scène où les plus attentifs apercevront la silhouette de Zorro. Ce happening était vraiment très 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 sympa et ça a apporté de la vie à la cour du Fuente del Oro. Je vous cache pas qu'il y avait certainement aussi une question de sécurité. Parce que Zorro se battant contre le sergent Garcia ses hommes sur les coursives, voilà, c'était pas forcément très safe. Après ce petit moment historique du Fuente del Oro, et afin de pouvoir terminer ma Frozen Margarita qui est très très sympathique, hein, ça y est, hein, ça fait effet, c'est cool, direction le Pueblo Trading Post pour regarder les pins. Pas mal de vie dans le fond de Frontierland à Critter Coral avec le Cowboy Cookout ouvert, donc qui attire pas mal de monde. Là on a droit à un point photo avec Goofy dans un costume original. Et puis le Pueblo Trading Post ici avec son offre pins. C'est le lieu dédié aux collectionneurs de pins. Donc je vais tout de suite vous le faire découvrir. Et là dans le fond on a le Frontierland Playground, ancien Pocahontas, village de Pocahontas. Tous les mois, on a une sélection de produits pins dédiés, avec certains exclusifs, exclusivement accessibles via Liberty. Les Small World fin août. Là, il y a les livres. Alors, moi, je suis toujours en recherche de livres sur Space Mountain. Classeur pour mettre ses pins. Et comme vous voyez, il y a des potes. Alors la boutique est très jolie parce qu'elle est vraiment dans le thème. Là il y a des lumières. Alors, c'est vrai que les collectionneurs de pins ils vont aller partout pour essayer de se choper les plus rares. Parce que sur les endroits ça se vend plus rapidement que d'autres. Là, par exemple, il y a encore ceux-là. Il y a du Marvel. Il reste encore pas mal d'exclusifs pour le Jungle Book. La saison du Roi Lion l'année dernière, non il y a 2 ans. Et puis des Disney Showcase collection. Voilà. Donc, je crois que je vais me laisser tenter. Hein. C'est une occasion qui me plaît pas mal. Bon, et avant de vous quitter, un petit haul, hein. Voilà, c'est l'impulsion du moment. Donc, ma nouvelle lanière, Tic et Tac, trop mignonne pour cet automne.
parce que j'avais envie d'un truc un peu automnal, donc je pense que Tic et Tac, ça fait tout à fait l'affaire. Et puis ce petit pins Mickey dans son costume du Jungle Book, Jungle Book Jive, enfin voilà, pendant la saison du Roi Lion de 2019, qu'on espère qu'il reviendra très vite à Disneyland Paris quand tout redeviendra potentiellement entre guillemets normal. Voilà, donc c'est un code orange, donc aux alentours de 8€, 10€. Là, la lanière c'était 10€ aussi. Donc ça, j'ai pas pu résister. Il y avait également ce que la caste très gentille m'a proposé, donc l'édition, la sélection limitée, toujours dans le thème du Jungle Book, mais qui sont aux alentours de 16€, 15-16€. Donc c'est vrai qu'ils sont, très très beaux, mais bon. Pour l'instant, celui-là me convient très bien. Voilà, donc c'est devant le Fuente, non, pas le Fuente del Oro, le Pueblo Trading Post, que je vais conclure ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas, si vous venez à Disneyland Paris, à vous laisser tenter par l'offre snack du Fuente del Oro. Et puis, pour rester dans le thème un peu latin, sud-américain, découvrir la nouvelle version de Mickey et son orchestre Philharmagique au Discoveryland Theater. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, me laisser des commentaires si vous jugez qu'ils sont utiles. Et puis, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur la chaîne. À très très vite. Ciao, ciao.